J'ai quand même une grosse influence des yéyés, moi, au final. Ce qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais que je commence de plus en plus à assumer. J'aime bien quand même, hein, ça. Do you like the rock and roll? One, a two, a one, two, a three, four. Yes, two third. I'm divided, dear. So, I got to play guitar. Evelyne Gallet affiche des sentiments complexes avec une rare aisance. Sa guitare et son verbe écrasent les sujets. C'est une avalanche de mots qui cognent et caressent, une belle dose d'autodérision, ainsi qu'une approche tendre et décalée des choses. Et lorsque ses grands yeux se posent sur son public, il n'en faut pas davantage pour que chacun dans la salle sente qu'il partage un véritable instant d'intimité. Je te suivrai pas dans la chaumière que tu m'as montré en photo, planté au bord de la rivière, le long d'une allée de bouleaux. On voit des enfants qui rigolent, un couple de parents très beaux, mais il y a écrit sous la photo emprunt du Crédit Agricole. Je suis assez stricte. Strict, ça me convient très très bien. Et fidèle. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui me prend? Pourtant, ce ne sont pas mes parents qui m'ont donné cet exemple-là. Chez nous, il n'y a jamais d'adultère. On est tranquille comme des cimetières et le cocu n'existe pas. J'ai même triplé ma communion pour être sûr d'être en union avec les lois du Saint-Office. Du Père, du Fils, du Saint-Esprit, de ces trois-là, dites-moi qui m'a foutu le feu au clitoris. De source, quoi, et c'est ce que les femmes en fait me disent en tant que public sur MySpace, par internet. Les gonzesses, elles adorent ça, quoi. Elles se reconnaissent en fait dans cette chanson. Alors, ça me fait plaisir en fait qu'on souligne le fait que finalement c'est pas que de la chanson humoristique et qu'il y a quand même des idées qui transparaissent. Copain, tu sais plus bien ce que tu veux faire. Tu dis pas être heureux dans ton boulot. De l'extérieur, ça a pourtant l'air super de travailler chez Pizza Domingo. Le monde dit des gros mots, c'est pas parce qu'on est sur scène qu'on devrait arrêter de parler plus ou moins comme on parle dans la vie. Même si probablement je dis plus de gros mots sur scène que dans la vie. J'ai pas besoin de vous, disait-elle au curé, qui sur le lit d'un vieux s'esquintait à prier. Vous voyez bien que ce cadavre n'est pas mort. S'il ne respire plus, par contre, il bande encore. Un petit coup de branlette leur mettra sur ses pattes, comme un coup de manivelle sur une vieille jupe à quatre. Oh, le prêtre révulsé tombait les bras en croix. Il respirait encore, mais il ne bandait pas. Tant pis.